et Libreville. Capitale du Gabon, je concentre l'essentiel du développement économique et comme toutes les grandes villes africaines, je vois ma démographie exploser. Aujourd'hui encore, je suis vaste, étendue et paisible. Mais j'ai le sentiment de grandir trop vite. Je suis tiraillée. D'un côté, la promesse d'une Afrique nouvelle avec une croissance économique importante, potentiellement la garantie d'une vie moins précaire et plus sereine. Et de l'autre, tous les problèmes économiques, sanitaires, écologiques, provoqués par l'extension de ma population. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population du Gabon s'agite en mon sein. J'ai 1000 visages. Ici cohabitent toutes les ethnies du Gabon, mais aussi des immigrés d'Afrique centrale et de l'Ouest, notamment des Nigériens et des Béninois, des Américains, des Européens, des Libanais, des Marocains, et de plus en plus une population asiatique d'origine chinoise. Face au bouleversement que tout cela génère, j'ai besoin de protection. L'enjeu est de taille. Il me faut réussir à développer les infrastructures urbaines pour faire face à l'augmentation démographique. Assurer ou renforcer le développement des transports, des logements, des écoles et des universités, l'accès à l'eau et un assainissement durable. Face à moi, l'océan Atlantique. Dans cette situation, je suis la seule ville du continent à être ceinturée de parcs nationaux et d'aires marines protégées. Les dangers auxquels je suis exposée sont nombreux. Changements globaux, risques d'érosion, de pollution et d'inondation. C'est pour tenter de me protéger que les chercheurs et les gestionnaires des aires protégées et des parcs nationaux ont élaboré le programme Arc d'Émeraude. En tant que gestionnaire du parc, on a beaucoup de travail à partir du moment où Libreville, c'est la capitale du pays. Donc la démographie poussée avec l'urbanisme vraiment grandissante, fait en sorte que le parc est beaucoup plus menacé. Menacé dans ce sens que sa partie, la façade maritime, hein, avec les mangroves, est décimée par les populations. À cela s'ajoute, l'activité d'un civisme des populations hein, qui déverse tout comme déchets au niveau de la côte et donc qui affecte le parc. Donc mon rôle, c'est celui effectivement d'essayer de freiner cette expansion démographique-là vers le parc et de sécuriser la ressource. Nous avons trois aires protégées autour de Libreville. Nous avons Libreville qui constitue une menace pour les aires protégées. Que faire? Absence de connaissances scientifiques de haut niveau sur comment se développent ces environnements. La stratégie à mettre en place pour essayer de faire en sorte que l'intégration territoriale qui a une emprise sur les espaces naturels grappille le moins possible. Ce sont des menaces. On est parti sur les menaces pour voir comment on peut apporter une amélioration à la fois des connaissances et faire en sorte qu'il y ait une espèce d'interaction utile entre la préservation des aires protégées et le développement des villes. Parce que l'enjeu ici, c'est de permettre que les gestionnaires puissent enfin disposer d'éléments qui leur permettent de bien gérer leurs aires protégées. Ce qui surprend d'abord quand on arrive à Libreville, c'est, moi ce qui m'a surpris en tout cas, c'est la proximité avec la nature. Libreville c'est une capitale, mais c'est finalement une capitale d'une taille relativement humaine, je dirais, hein, c'est 600-700 000 habitants. Et dès qu'on sort de Libreville, on arrive directement dans la nature, on est directement au contact des animaux sauvages et au contact de la mangrove. Donc on a les poissons ou les mammifères qui sont
tout de suite à quelques minutes de route de voiture de Libreville. D'un point de vue scientifique, hein, moi je suis biologiste, donc la nature m'intéresse, donc évidemment c'est extrêmement intéressant de travailler dans ce contexte. Et puis après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le Gabon a développé une politique de conservation. Donc il y a beaucoup de zones qui sont protégées. Donc là, c'est évidemment, c'est extrêmement intéressant de travailler sur des zones qui sont protégées, mais qui en même temps sont au contact directement de la ville, donc qui sont, on va dire, impactées par la ville, même si la faune est protégée. C'est vrai que les effluents de la ville, par exemple, ou les macrodéchets, les sacs en plastique, arrivent dans les parcs nationaux. Donc on a ce contraste qui est assez fort entre une volonté de préservation des espèces et puis la ville qui impacte directement ces écosystèmes côtiers. À force de m'étendre, c'est la mangrove que je grignote. Alors qu'elle est pour moi une protection contre l'assaut des vagues et les vents violents. Son écosystème est complexe. Sous l'effet des marées, l'eau salée se mélange à l'eau douce. La forêt à la mer, c'est aussi un filtre et une éponge. Alors on travaille essentiellement sur l'intérieur du parc d'Akanda. On quitte la ville, on traverse des zones qui sont en urbanisation assez anarchique et assez intense. On arrive dans la zone tampon du parc et ensuite on se retrouve dans la zone de protection du parc national d'Akanda. Donc on a vraiment un gradient dans ces zones de pression de pollution et aussi de pollution dans ce qu'on arrive à en révéler. Donc le type de polluant qu'on mesure, le plus concret, ce qui parle le plus à tout le monde, c'est les bactéries qui sont les bactéries indicatrices de contamination fécale. Donc ça, on prélève de l'eau, comme on vient de le faire ici. Après, on a un laboratoire à Libreville, on filtre cet échantillon et puis on utilise des milieux de culture qui nous permettent de révéler les bactéries qui sont vraiment les bactéries fécales. Tous les mammifères, les oiseaux, enfin quasiment tous les vertébrés, y compris les poissons, ont ces bactéries naturellement dans l'intestin. Alors, il y en a une partie qui peut venir notamment de tous ces organismes-là. Il y a une partie peut-être humaine, il y a quand même un petit peu d'habitation humaine. Il y a la ville qui commence à être loin, mais qui n'est pas si loin. Donc on utilise des milieux qui sont sélectifs pour révéler notamment Escherichia coli qui a priori est lié à l'homme. Aujourd'hui, Libreville est une ville en pleine croissance. L'évolution des populations dans la commune fait que les activités de ménage et les activités industrielles exercent une pression sur la côte. Cette pression se ressent aussi bien par les changements des paramètres biologiques que les paramètres physiques du milieu. Alors, sur les pollutions chimiques, on a notamment les paramètres qu'on appelle les éléments transmétalliques qu'on va observer dans l'eau et suivre leur évolution. C'est par exemple le cuivre, l'évolution du manganèse, par exemple, ou encore des éléments chimiques comme le cadmium, qui sont relargués dans le milieu et qui vont donc avoir un effet sur les communautés biologiques du système. On a aussi des bactéries qu'on ne voit pas. Ce sont les bactéries qu'on appelle les bactéries indicatrices de contamination fécale. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de données qui sont disponibles dans beaucoup d'études qui ont été réalisées. Donc, il est important que les pouvoirs publics s'approprient ces données-là, ce travail-là, qu'ils prennent connaissance de ces résultats-là et qu'ils adaptent, soit par des sensibilisations ou par des décisions fortes. Une fois ma membrane hyliophilisée, je peux récupérer la membrane qui a servi à la filtration que je pose sur ma gélo. Là, c'est prêt à incubation. La pression que j'exerce sur la mangrove est énorme. Le rempart est fragile car c'est aussi du nord et de l'ouest que l'agression arrive. Le long de mes côtes sableuses, face à l'océan Atlantique, c'est l'érosion littorale qui menace. Dans Triste Tropique, Lévi-Strauss écrivait « Au lieu que le littoral ébauche, comme autrefois, une image anticipée des solitudes océaniques, il devient une sorte de front
où les hommes mobilisent périodiquement toutes leurs forces pour donner l'assaut à une liberté dont ils démentent l'attrait par les conditions dans lesquelles ils acceptent de se la ravir. L'espace qui subit l'érosion est un espace très mobile. Il est très mobile, il est très dynamique, il bouge au gré des marées, que ce soit pendant la marée basse, que ce soit pendant la marée haute. L'érosion, c'est une dynamique qui est naturelle. La mer avance, la mer recule, la mer avance, la mer recule. Il y a un bilan qui est fait. Quand il est négatif, on parle d'érosion. Quand il est positif, parce qu'il arrive que la mer apporte des sédiments, à partir de ce moment, on parle de sédimentation. Mais on a constaté depuis une quarantaine d'années que le processus est plus à l'arrachage de matériaux, c'est-à-dire l'érosion. Il n'y a plus vraiment de retours qui sont faits en matière de sédiments et on essaye de se demander aujourd'hui d'où peuvent provenir cette carence en sédiments. Et c'est là où peut intervenir la problématique maintenant de l'implantation des populations au bord du littoral. Parce que c'est leur implantation qui, en réalité, devient le véritable problème. Nous sommes au niveau de Gabon, 950 km de côte, 200 km qui sont véritablement sous l'emprise humaine. Il y a encore plus de 700 km à protéger. Mon idée, c'est faire en sorte que tous les projets que l'on installe désormais par rapport à la pression urbaine qui se fait, occupation du littoral et tout le reste, puissent se faire à une distance qui réduise au maximum la pression de l'homme sur les zones que je considère de transfert. Si on mettait en place un mécanisme de retrait qui ferait en sorte que les premiers aménagements soient à une distance suffisamment respectable, je pense qu'on gagnerait beaucoup à réduire au maximum cette idée de gestion de partage entre la pression humaine et le développement de la nature. Vaste, étendu et paisible. Il fait bon vivre chez moi. La nature est là, à portée de main qui nous rend bien des services. Sur la rive ouest de l'estuaire du Komo dont je garde la porte, je vous propose tourisme, détente et insouciance. En face, côté est, l'activité industrielle et portuaire bat son plein. Un estuaire de contraste encore mal connu malgré un travail précis et méticulé des scientifiques. Sentiment le bateau. C'est sous le bateau rouge là-bas, rouge-noir. Il n'est pas tout d'avoir récolté toutes les informations que nous avons emmagasinées déjà depuis 2 ans. L'idée, c'est de continuer le monitoring, de continuer à suivre les paramètres pour effectivement mieux gérer l'après-arc de Méraude, qu'est-ce qui peut déjà être entrepris. Et nous avons commencé effectivement des discussions avec l'ANPN, notamment sur les questions de pollution, qu'est-ce qui peut être fait dans le parc, notamment le parc de Pongara et l'Arboretum Raponda Walker. On voit que l'ANPN aussi a de plus en plus cette vision d'initier des recherches et de faire participer le scénariste. Et c'est plutôt bien déjà pour la collaboration entre les institutions publiques et le monde scientifique. Ce qui est nouveau, c'est que l'ensemble du Komo n'était pas totalement couvert du point de vue de la bathymétrie. Et donc, les travaux que nous avons engagés ont permis d'avoir les profondeurs au sud d'Ouvindo.
tous les résultats qui sortiront de travaux que nous effectuons vont permettre à l'ANPN de mieux gérer justement ces aires protégées qui composent effectivement l'arc des Méraudes. Accumuler les données, les analyser pour permettre aux gestionnaires des parcs nationaux de préserver au mieux les écosystèmes est une tâche sans relâche. Chercheurs et gestionnaires travaillent ensemble pour que le programme de collaboration Arc d'Émeraude soit pour moi un rempart de protection durable. Il leur faut mieux connaître et comprendre l'écologie des aires protégées et des parcs nationaux afin d'accompagner les politiques publiques dans leur prise de décision et la gestion du développement des activités humaines. Au centre de ce rempart environnemental, l'Arboretum Raponda Walker est aussi un outil précieux pour mobiliser, sensibiliser, éduquer et pour la préservation des patrimoines naturels et culturels. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est pour les générations futures. Parce que si on n'a pas pris conscience de la nécessité de protéger cet environnement-là, ça veut dire qu'on va nager à l'aveuglade, à contre-courant, et puis on va avoir des conséquences néfastes 50 ans, beaucoup plus après. Donc il est important de ne pas reproduire les mêmes erreurs que les autres ont fait ailleurs, où il va être difficile pour nous de gérer un parc si on n'a pas déjà des approches scientifiques qui nous donnent des orientations dans leurs études. Nous apprenons aussi beaucoup de scientifiques. Et donc c'est une approche pour moi que je trouve constructive et presque indispensable parce que évidemment ça nous permet aussi de nous amender et de rectifier le mode de gestion qui est le nôtre en fonction des réalités qu'on a en face. C'est que pour mieux gérer, il faut qu'il y ait de la connaissance. La connaissance, c'est les chercheurs qui nous l'apportent. Ce serait de développer et d'accroître la symbiose, bien le partenariat avec les scientifiques. Parce que c'est vrai, c'est une forêt que nous saurons peut-être connaître de bout de doigt, mais il y a encore des pans entiers de la forêt qui ne sont pas connus de nous. Il y a des espèces qui sont encore inconnues ici. Il y a des espèces qui sont nouvellement découvertes. Et c'est là toute l'importance de l'action scientifique. Il faut que les scientifiques nous aident à mieux connaître ces espaces. Et je pense que dans l'avenir, c'est vers cela qu'il va falloir orienter. Parce que beaucoup utilisent la forêt, beaucoup l'exploitent, mais ne savent pas encore réellement quel rôle joue quelle plante ou quel arbre ou quelle espèce animale. L'Arboretum Raponda Walker abrite près de 40 espèces endémiques d'arbres, de plantes et de fleurs. Le long de l'arc d'Émeraude, au cœur des forêts qui m'entourent, dans le lit des mangroves ou le long de mon littoral s'abrite une biodiversité d'une richesse exceptionnelle. Une biodiversité aquatique qui est aussi une ressource à préserver. L'assurance d'une activité économique et nourricière, aujourd'hui indispensable au développement de ma population. Ici, dans la baie d'Akanda, la plus grande pêcherie artisanale marine du Gabon.
ces mangroves sont ce qu'on appelle un habitat essentiel. Ça veut dire qu'un certain nombre de poissons, pour persister, ont besoin à un moment donné de leur vie de vivre dans la mangrove. Et s'ils ne vivent pas là, le cycle ne continue pas. On a à la fois des poissons qui sont d'un intérêt économique avéré et donc exploités par les pêcheurs, mais on a aussi toutes ces petites espèces du genre ce qu'on appelle les gros yeux, qui sont les périophtalmes, mais qui sont essentielles aussi pour tout ce qui est biodiversité, pour tout ce qui est finalement écosystémique, parce que ces animaux-là servent de nourriture pour les grands. Et si on ne trouve que des jeunes, ça veut dire c'est ce qu'on appellerait une nursery, donc une poupinière. Et si on ne trouve que des adultes, des femelles qui porteraient des œufs, on aura tendance à penser que c'est plutôt une zone où des mères vont venir faire leurs bébés. Autour de Libreville, on estime aujourd'hui à 2 ou 3 000 personnes qui vivent de la pêche. Donc on a à peu près un tiers qui sont des pêcheurs directement. Et derrière, on a tout ce qui est marieuse, des gens qui font de la transformation. Dans la baie, on a la pêche de la sardine. Et on sait aujourd'hui qu'à peu près 60% des captures réalisées ici sont fumées, exportées dans toute la sous-région. Il faut dire que le Gabon est à la 19e place en termes de superficie de mangroves au niveau du monde. 2% des mangroves sont au Gabon. Il est vraiment important d'avoir un suivi continu pour voir comment la ville va continuer à cohabiter avec ce parc, aussi bien en termes de friction, d'habitat, de surface, mais aussi en termes de qualité des eaux. Libreville n'a par exemple pas de station d'épuration. Est-ce que la qualité de la mangrove va induire le type de poisson qu'on va trouver? Et avec tout ce qui est changement climatique, c'est vraiment important de continuer à avoir un suivi biologique cohérent, ciblé, en se disant que la mangrove c'est quelque chose d'important dans le monde et c'est quelque chose d'unique comme écosystème. Quand on fait la cartographie participative, c'est toujours pour essayer d'écouter des doléances des pêcheurs. Il y a certains engins de pêche parfois qui n'ont plus de zone de pêche à cause de l'arrivée des parcs nationaux. Donc on fait ensemble cette cartographie. Ça nous permet aussi d'essayer de plaider pour ces gens-là au niveau de l'ANPN pour voir comment est-ce qu'on pourrait les aider à aller exercer de la pêche dans ces zones, mais de façon assez organisée. WCS, c'est un programme de conservation. Et puis, nous sommes beaucoup plus dans la gestion de la ressource halieutique dans le programme marin. Avec des pêcheurs, puisque moi je suis dans le domaine de la sensibilisation, en fait, je suis au milieu d'eux, je vis avec eux. Pour essayer de faire passer mon message, il faudrait que je mette les pêcheurs en confiance. Et puis, ça passe tranquillement. Nous entretenons une relation de fraternité, en fait. La grande majorité des pêcheurs sont des expatriés. La plupart ont fait leurs enfants ici, donc ils deviennent automatiquement des Gabonais. Il faut apprendre à parler le Yoruba, il faut apprendre à parler Dior, il faut apprendre à parler le fond chez les Béninois et tout, pour essayer de leur faire comprendre quels sont les enjeux de la pêche en fait. Dans le projet à Kemerode, on a beaucoup travaillé aussi sur l'anthropologie. Comment est-ce que ces pêcheurs sont arrivés ici? Quelles sont les communautés qu'ils ont trouvées sur place et quels sont ceux qui étaient là avant l'arrivée des parcs nationaux? Comment est-ce qu'ils gèrent cela? Pour le moment, l'avenir est encore tout sombre, hein? Mais on espère qu'il y aura une franche collaboration entre les gestionnaires des parcs nationaux et puis les communautés de pêcheurs.
l'époque d'une exploitation aveugle, toujours plus intense des ressources naturelles à mes portes, est aujourd'hui révolue. La pêche artisanale en est l'exemple parfait. Comprendre et gérer la ressource halieutique et les espaces naturels, c'est aussi permettre aux communautés d'y vivre mieux durablement. Le programme Arc d'Émeraude, engagé au Gabon, est un modèle remarquable d'une recherche-action, où le dialogue se veut permanent entre les scientifiques, les gestionnaires des parcs nationaux et les communautés locales. Il permet d'intégrer les savoirs scientifiques dans la prise de décision et sensibiliser les populations locales à la préservation et à la valorisation des écosystèmes littoraux, des vastes zones de mangroves et des forêts. Mieux les connaître et les protéger sera mon meilleur rempart.